Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour avoir cet animal, pardon, qui est un alpaga. Alors, c'est pas un lama, pour moi c'est un lama, mais apparemment ce n'est pas un lama dans le jeu, c'est un alpaga. Et donc, je te montre ça tout de suite dans cette courte vidéo. C'est parti! Alors, donc là, on est juste devant le camp où on peut choper du coup un alpaga beaucoup plus facilement que dans les gros camps. Donc je vais vous expliquer où je suis. Si je mets la map, ça va être bien. Je vais vous expliquer où je suis. Donc là, il y a un site antique qui est pile devant moi et ça à l'intérieur. Donc au niveau de la map, je me trouve comme ceci. Au niveau de la map, je me trouve comme ceci. On a un grand camp qui se trouve là que pour le moment, j'ai vraiment pas le niveau pour le faire. Donc on a un grand camp qui se trouve ici. En tout cas, j'ai pas les armes. On a un autre site qui est là et qui est là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc j'ai besoin, comme je vous ai dit, j'ai besoin d'avoir un autre personnage pour mon camp. Donc j'aimerais bien prendre celui de 14, ça c'est le top. Si je peux, avant qu'il me pose. Je peux le choper. Vite, 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 vite. Ouh, j'ai de la chance. Ouh, j'ai de la chance. Vite, je la récupère. Non, non, après. Il va me tuer. Il va me tuer. Oh, il va jamais me choper un. Non, je fais elle. Oh la chance. Non, là tu pas. Là tu pas. Là tu pas. Tu pas. Oh la vache. Tu es tellement décrasse. Attends, faut que je la soulève par contre. Elle est dans la pluie, ça va pas le faire. Est-ce que je peux la mettre? Genre là peut-être. Ok, 25, ça va. Ouf, 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 ouf. Ouais, là, tu passes de plus parce que j'en ai besoin. On va regarder en même temps ce qu'on peut trouver. Et après, on va aller faire le petit. Ok, ils sont pas là. Alors, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on doit rentrer donc, dans ce petit truc et tout simplement capturer. Voilà, petit alpaga. Petite photo. Et voilà, ça suffit. Il n'y avait que ça à faire. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rentre tout simplement à la maison. Il est super tard, faut qu'on fasse attention. Et puis, on va le faire grandir. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour lui donner à manger. C'est ultra simple, ne vous inquiétez pas. Donc, on se retrouve à la maison, devant le feu de camp, pour que je vous montre un peu ce qu'il faut faire. Et puis, voilà. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve du coup à la maison, mais j'ai un petit problème. En gros, je suis rentrée à la maison, mais mon exilé est parti voir un autre camp. Ouais. La foutue fille qu'on vient de réveiller est séparée dans un autre camp. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que je sais que là, il y a un camp. Je me souviens dans ma première partie. Donc du coup, madame s'est barrée, super. Bon, tant pis. Tant pis pour moi. On va se faire une petite photo encore une dernière fois pour avoir une belle photo. Et ça peut être parfait, on voit sa petite tête. Et donc, je vais vous expliquer comment il faut faire pour lui donner à manger. Donc là, il faut qu'on arrive à l'enlever de nous. Je crois que c'est R, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, on a le petit alpaga qui est en croissance de 0. C'est normal, il n'a pas de nourriture. Donc ce que vous pouvez lui donner, c'est soit on lui donne de la paille, ce qui est ultra facile du coup à le faire manger. Donc longtemps, voir, ah bah il y en a déjà. Et là, définir ses préférences, non. Définir les préférences, on va les voir. Mais normalement, il devrait le manger.
Alors, je sais pas, peut-être parce qu'il est trop petit. Ouais, je pense qu'il est trop petit. Normalement, ils peuvent le manger. Normalement, ils peuvent le manger. Ce que je fais également, c'est que je bug. En fait, ce que je voulais faire, c'est de voir si on pouvait tout simplement mettre un... faire des graines. Parce que j'en ai pas énormément, des graines. Oh, ça y est, j'ai du coton. Donc, j'aurais bien aimé en faire. Mais apparemment, je peux pas. Et ben, on va attendre. On va attendre. Mais du coup, c'est uniquement les légumes que le petit alpa peut manger. Donc, vous pouvez tranquillement lui donner. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être que là, il est trop petit. C'est peut-être pour ça que je peux pas lui donner. Ah, ou alors parce qu'il a... Il a plus faim. C'est la satiété. Qui est du coup sa faim. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas lui donner. Ça c'est rien du tout, ça c'est juste des sacs que j'ai plus du tout besoin, donc je l'ai laissé là. Du coup bah ouais, on va attendre. Alors maintenant notre petit alpaga il a plus de 50%. En attendant, je me suis posé une table pour voir ce que ça donnait. C'est très joli, je trouve que c'est super joli. C'est les tables à manger, je trouve ça trop beau. Je vois qu'on peut poser des choses. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. En fait, on peut poser la nourriture. C'est trop bien. Et donc là, il est à 60% et il a un peu faim. Donc normalement, techniquement, je peux enfin lui donner à manger. Et bien, toujours pas. Bordel. Mais du coup, comment on fait pour lui donner à manger? Normalement, il mange ça. Et je sais pas du coup ce qui se passe. Parce que normalement, je peux lui donner à manger. On va prendre les patates, on va prendre les champignons, on va prendre les baies. On va prendre les noix. Et on va voir ce qu'on peut lui donner. Normalement, ça, ils sont censés pouvoir les manger. Apparemment, ils peuvent plus. D'accord, donc ça, ils peuvent plus. Avant, ils pouvaient. Mais il y a une mise à jour du jeu. Maintenant, on peut plus. Donc, les noix, ils peuvent les manger. Les champignons, ils peuvent. Les pommes de terre, non. Les baies, oui. Et tout ce qui est légumes, alors ça ils peuvent pas, donc c'est ces trois là qui peuvent pour la base. Bon, la base quand vous commencez le jeu. Les noix c'est quand même assez facile d'en trouver, soit dans la nature ou soit dans les coffres des camps. Et les fruits c'est pareil, les fruits vous en trouvez très rapidement. Donc ok, bah je savais pas. Maintenant je le sais. comme ça vous le savez aussi. Et donc il y aura la dernière étape à attendre, qui est du coup quand est-ce qu'il sera totalement adulte et qu'on pourra aller dessus. Donc là on est à 64%, donc on attend encore un peu. Donc du coup c'est dans pas très longtemps, donc je vous reprends, je fais encore une dernière ellipse pour vous montrer comment il faut faire. Mais avant ça, je voulais vous montrer que dans l'établi d'armes, on a cette selle qui nous permet d'avoir justement la possibilité de grimper dessus. Donc c'est l'alpaga, hein. C'est pas le lama, c'est l'alpaga. Donc du coup, je vous retrouve pour vous montrer pour la selle et pour vous montrer également quand il sera grand. Donc à tout de suite. Et voilà, on se retrouve et ça y est, notre petit alba est enfin un adulte. Donc si on va cliquer sur voir l'objet, on va pouvoir lui mettre la serre. Donc je vais prendre du coup son excrément, ce qui fait caca. Et donc on peut mettre une serre dessus et voilà. Alors on monte sur, appuyer sur E, c'est un peu difficile. On va peut-être pas le mettre dehors parce qu'il pleut, mais en tout cas voilà. Maintenant vous savez que il est possible d'avoir une belle petite monture. Donc moi j'ai une femelle, je vois qu'on a un sac qui est énorme, qui a quand même 400 places. Donc on va lui laisser hein, par contre la, on va lui laisser la nourriture pour lui. Et au moins vous savez qu'on peut avoir un petit alba. Donc pour moi c'est clairement un lama, hein. c'est clairement un lama. On les appelle ça un alba. Et en ce moment je suis en train de voir pour... je vais les laisser là. Et moi je suis en train de voir pour avoir une dinde, mais je sais pas si je peux en avoir une ou pas, mais si je peux, je suis trop contente. Donc sur ce, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je suis désolée, il pleut, donc on risque de pas trop m'entendre. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour cette fois-ci un gameplay. Et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.